Bonjour les jeunes et bienvenue pour ce nouvel épisode de Punch Club. Je sais plus du tout ce que je vous avais dit qu'on ferait pour cet épisode. Qu'on va essayer de faire un truc cohérent. Et, alors attends, bougez pas monsieur dame. Ouais, donc déjà faut que je me dope pour terminer ça. Le dopage c'est pas bien, mais au moins regardez, on aura tout le premier acte terminé. Je pense que ça peut nous débloquer un truc. Donc on va commencer par ça tout de suite avant que j'oublie. J'ai un combat ou pas aujourd'hui? Oh non, dans 3 jours. Bon bah, je me doperai dans 3 jours quand même, faut pas être con non plus. Alors, on va regarder 2 secondes l'arbre des compétences. Voilà, donc là j'ai un des viewers qui veut que je prenne cette attaque là. Et un autre qui veut que j'attaque équilibriste et carbure à la viande. Donc on va se diriger là-dedans. Donc sur l'arbre de compétences générales, on va dire. Donc c'est y part, faut qu'on s'entraîne. Alors, pour avoir des points de compétence, il faut des entraînements au PAO, s'entraîner avec Roy ou livrer des pizzas spéciales aux Crocodile Ninja qui sont absolument pas pompés sur les Tortues Ninja, faut pas croire ça, c'est pas bien. Alors, trop fatigué, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Un petit doudou. Mais va-t'en. Vas-y, fais dodo, toi. On ne la présente plus. Alors, tac, 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 vas-y. Faut aller chercher un peu de barbac. Allez. Hop, hop, vas-y. Alors, hop, tac, tac, 3 bouts de viande, ça devrait suffire. Alors, on va suggérer un combat amical, ça doit être ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme compétence lui? Tous les dégâts sont réduits de 20%. Ok. Ah oui, j'ai mon direct maintenant. Alors, 18, 16. Et ça, c'est cognard de barbac. Ok, vas-y, roule ma poule. Je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est cool. Donc, oh, 2 points de compétence, mon dieu. Toujours ça de prix. Adrien, t'en es où? Vas-y, discute. Là, tout de suite, ça sert trop à rien. Alors, tac, 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 vas-y, de la bouffe. Hop, hop. On va monter un peu l'endurance. On va essayer de se faire un ours tortue, une espèce très rare en voie de disparition d'ailleurs. Allez, Core Forest, hop, top, 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 top. Okay, on a un combat ultime aujourd'hui, bon on va aller se doper tranquille. Hop. On augmente la force. Hein. Alors, potion magique. Ok. Ok. Bon, je pensais débloquer un petit truc là, vu qu'on avait tout ça. Mais bon. Mon cul. Hop, hop, hop. Bon, normalement, je les zappe hein, ces combats-là. C'était juste pour justifier le dopage. Allez.
T'as le droit de le toucher, l'adversaire, hein. C'est pas interdit, t'inquiète pas. Heureusement qu'il met des patates de l'infini quand même, hein, sinon on serait dans la merde. Enfin, faut en mettre une de temps en temps quand même, jeune homme. Allez, roule. Ouais, allez, allez. Ceux qui ont de l'agilité sont quand même vachement, vachement avantagés. J'ai un autre perso là, voix du tigre et tout. Ça se passe beaucoup mieux. Allez. Ça fait quoi ça? Allez, 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 allez. Et t'en as juste à 1 mètre et ça passe. Impeccable. Ça peut être pas mal cette combo, la triple direct. Donc avec mon direct. Ok. Ça c'est fait. J'ai eu un peu de pognon. C'est cool. On va retourner bosser. Focus point de compétence. Pas mal du tout le coup du triple direct. Très bien. Voilà, 2 points de compétence à chaque coup, ça fait pas beaucoup. On tente un combat d'entraînement. Ah oui, pardon. Ok, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Eh ben écoute, on va aller bosser. Ça c'est pareil, hein, faudra qu'on finisse notre salle de sport, donc. Magnifique livrage de pizza, c'est terrible, c'est beau, c'est. Oh là là, quel talent, quel art. Je devrais arrêter la boxe et me mettre à livrer des pizzas. Hop là, la chaise qui grince, toujours agréable. Allez. Donc aujourd'hui, on a un combat de ligue. C'est cool. Commander une pizza au PV. Ok, une deuxième. Allez, deuxième. On relivre les pizzas. Ok, trop fatigué, c'est pas grave. Hop. Donc on essaye avec notre combo triple direct là, ça a l'air d'être bien. Allez, faut faire semblant de toucher une fois de temps en temps. Non? Bon. Ouais. Ouais, fruit. Oh la loose. Je vois le barré. Ouais, mais là c'est normal, hein, on est dans le top 5. Hein, donc. C'est vachement skillé, c'est logique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Que dalle. Ah, là, y a trois rien à faire. Hein. Si sur mes trois, j'ai mis au moins 9 coups de poing, j'en ai pas touché un seul. Ok. Tac, 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 c'est pas grave. Alors, 17 points de compétence. Donc, on va prendre celui-là. Ok. Ok.
Alors, ça c'est fait, ça c'est fait, ça je m'inscris pour dans 2 jours, il n'y a pas de problème. Carte de la ville, magasin de sport. Qu'est-ce que je peux acheter? La poire de vitesse. Je continue à économiser un petit peu. Hop, chez vous, en bus. Voilà. Ah, ça, il fallait bien que ça finisse par arriver. C'est une petite racaille, ça passe tout seul. On croise les doigts, les gens. Je sais pas du tout comment ça marche si. Pourquoi 10 points de dégâts? T'es con quoi toi? J'étais à 17 tout à l'heure. J'ai l'impression que je vais perdre mes thunes. Fais chier. Regarde là, je suis à 15. Ouais, ok. Bon, on va être fixé. On va savoir combien il nous pique de thunes quand il nous pète la gueule. J'espère que c'est pas la totalité. Ce serait chier quand même. La moitié. Oh la vache. 100 dollars. Putain. Qu'est-ce qu'il a lui? Cool. Ok. Ok. Allez, hop, entraînement d'endurance. Saut. C'est con, j'aurais dû acheter ma poire de vitesse finalement. Mais on peut pas savoir. Ok, allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Descends là, descends, descends, tu te fais du mal. Ok. Alors, 100 gold. Il faut de la bouffe et compagnie. Je sais plus où j'en suis avec lui là. Ce serait peut-être bien de faire ça aussi. Ça doit bien débloquer un truc à la fin. 3-3-5, c'est pas le bout du monde ça. Tu peux y arriver quand même. Ça devrait le faire. Ouais. Allez, encore une. Voilà. Impeccable. Alors, 4 points de compétence, 30 points de bonheur et moins 8 points de vie. Ok. Ok. Que là tout va bien, vas-y, il y a encore un burger là-dedans. Ok, bah, c'est bien ça, c'est en cas de secours, c'est très très bien. Mais c'est type à non. Livrer des pizzas, quoique, ouais, vas-y, non, on va bosser sur un chantier là, un vrai boulot de bonhomme. Non, ça a le mérite d'augmenter l'endurance et la force, quoi. C'est déjà ça. Trop fatigué, bien sûr. On laisse tomber le combat ultime.
Pizza. Ok. Et livrer des pizzas. Vas-y, commencez. Vas-y, Mimille. C'est de se faire de la thune toute la journée, là. Pas trop d'entraînement. De toute façon, la force et l'adresse pourront pas baisser plus. Allez. Ok, aujourd'hui on a un combat. Donc là, ça y est, on va pouvoir aller au gym. Espèce de lourd, de gros lourdingue. Alors, il va nous falloir un tout petit peu. Ouais, les deux quand même. Allez, ok. Alors, est-ce que je peux m'entraîner avec lui autant que j'en ai envie? C'est peut-être une fois par jour ou je ne sais pas. Ok, c'est parti, ça fait un moment, d'accord. Donc ça doit être une fois par jour, j'imagine. Vas-y, roule. Pas mal. Ok, on l'a bien défoncé, nickel. 2 points de compétence, c'est pas le bout du monde. Allez. Bill Spark, putain, 3-2-2, je suis arrivé à quelle place du classement? 3-2-2, c'est vraiment pas énorme. Hein. Faut que je regarde ma place dans le classement après. Vivement que j'ai les compétences qu'il faut. Je fais durer le suspense, hein, c'est normal, vous inquiétez pas. Oh, 3 PV. Ok. Alors, 20 $, 5 points de compétence, super. Allez, allez. Deux points de compétence encore. Mais c'est toujours ça de prix. Ok, on en a 14, c'est pas mal. Alors. Vas-y, commande une pizza. Allez. On va aller voir le frère de Bill. Alors, oula, 6, 5, 7. Chevalier en armure, plus votre endurance est élevée, moins les dégâts adverses vous infligent de dégâts, d'accord? Berserker, d'accord. Donc attends. Donc là, pour le coup, il vaut mieux qu'on passe là-dessus, je pense. Vas-y. Allez, allez.
Non, mais fais semblant de lui mettre des tatanes dans les dents, en fait. Hein. Oh là là là. Tu me fatigues. Non, bah c'est un peu trop tôt pour Marc. Hein. Vas-y, vas-y, fini. Sur un malentendu, hein. Oh la vache. Ok. Et après, plat Michael. Ok, ouais, tu te vengeras plus tard. Pas de soucis, c'était bizarre. Oui, effectivement, c'était un peu particulier, oui, tout à fait. Okay. Dernier jour d'inscription, vas-y, combat dans 2 jours, nickel. Alors, tac tac, il faut que j'aille faire les dodo. À pied. Ok, un petit steak. Je sais plus du tout ce qu'il a bouffé. Il n'y a plus de steak. Le frigo est désespérément vide. Ok. Épicerie à pied. On va aller vérifier si Mike veut bien me donner à bouffer. Mais. Tu vois. Ouais, il veut plus. Il veut plus me donner à manger. Ou alors c'est parce qu'il a capté que j'avais le frigo plein de bouffe. Ce serait pas normal. Alors, vas-y, un steak, deux steaks, ok, aujourd'hui on a un combat, je crois, un combat ultime, d'accord. On va juste essayer d'entretenir la forme jusqu'à demain, ce serait bien que je puisse faire mon combat en 8-5. Ok, stop. Combat de ligue. Alors dites-moi, position actuelle 5. Ah oui, si, je suis quand même. Je suis toujours dans le top 5. Moi, je dis qu'un mec, voilà, tout est basé sur l'endurance. Il faut que je lui baisse son endurance, quoi. Ouais, c'est pas mal, là, c'est pas mal. Allez. Ouais. Ah, non. Je vais perdre mon endurance avant lui. Enfin, mon énergie. 22-25. Ah, c'est chaud. 8-13. Bordel, il récupère plus vite que moi. Ah oui, bah oui. Bah. T'as un tap, feignasse. Ah, c'est frustrant, bordel. Qu'est-ce qu'il a mis comme truc, lui? Modificateur de frappe. Ah ouais, bah oui, sapeur. Ce genre de truc qu'il me faut. Allez, 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 allez. C'est pas perdu, hein, ça va être très compliqué. Mais... Alors, ce qu'on va faire, on va dégager ça.
Allez, faut vraiment qu'il tape le maximum. Ouais. Donc, 4 points de compétence, c'est cool. Alors, attends 2 secondes, sur la voie de l'ours, sapeur, je dois pouvoir l'avoir. Ouais, sapeur, il est là. Tous vos coups réduiront de manière plus marquée l'énergie de l'adversaire. Et vous me conseillez d'aller sur ce genre de choses qui sont pas mal, hein, c'est sûr. Enfin, c'est les attaques qui me permettraient d'avoir de l'énergie, mais l'autre, ça me permettrait de saper l'énergie adverse. Ah. Allez. On va mettre passer les attaques. Alors, tac, 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 tac. Écoutez, ça ira bien pour aujourd'hui. Donc, on va retourner à la maison pour dormir. Et je vais vous laisser là pour cet épisode. Et donc, bah, continuez à vous abonner, à commenter. Ça fait super plaisir. Bah, puis on se retrouve demain pour le prochain épisode. Salut!